إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on va continuer donc dans l'explication des hadiths qu'on a commencé à lire hier dans les choses qui ont rapport avec le fait de nous rapprocher du paradis et de nous éloigner de l'enfer. Et c'est ça l'objectif de chacun d'entre nous parmi les musulmans. Hein, on veut tous chercher un moyen de rentrer au paradis et un moyen de s'écarter du châtiment de l'enfer. Donc on a lu hier des hadiths qui nous expliquent les choses qu'on doit faire justement pour arriver à ça, et on a mentionné plusieurs exemples parmi les moyens. Et donc aujourd'hui on va continuer à lire quelques hadiths aussi, puis on va rentrer dans l'énumération des 12 différents moyens que le cheikh Zayd al-Madkhali a mentionné pour arriver au paradis, parce que il a énuméré 12 parmi les moyens pour rentrer au, qui nous aident à rentrer au paradis et qui nous éloignent de l'enfer. Le premier, donc on continue avec les hadiths que le cheikh a mentionné. Il dit: وأخرج البخاري رحمه الله بسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يسمع به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه وإن استعاذ بي لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. Donc le cheikh il a apporté un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah dans son sahih, selon Abi Huraira radiyallahu anhu, il dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit: quiconque fait du mal à un de mes alliés ou à un de mes proches serviteurs, alors je lui déclare la guerre. Allah subhanahu wa ta'ala, il déclare la guerre à quiconque oppose ou fait du tort à un de ses serviteurs rapprochés, qu'on appelle le wali. Et donc il dit: et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi en faisant ce que ma yataqarrabu ilayya 'abdi bi shay'in ahab ilayya. Donc mon serviteur, il y a rien qu'il fait parmi les choses que je lui ordonne de faire qui fait que je commence à l'aimer de plus en plus, ou bien plutôt il ne cesse de se rapprocher de moi en faisant ce que j'ai ordonné pour lui de faire, parmi les choses que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Qu'est-ce qui fait que Allah subhanahu wa ta'ala aime un serviteur? C'est qu'il fasse ce que Allah lui a ordonné de faire. C'est ça la signification de cette parole. ما يتقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضت عليه. C'est-à-dire, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné? Si tu veux que Allah subhanahu wa ta'ala t'aime, eh bien tu fais ce qu'il t'a ordonné de faire. Et c'est ce qui fait que Allah va t'aimer.
et c'est ce qui fait que tu vas te rapprocher le plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu veux que, si tu veux te rapprocher encore plus d'Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'aime, eh bien tu fais qu'est-ce qui est surérogatoire. Tu fais qu'est-ce qui est supplémentaire. An-nawafil. Donc, ça c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de faire. Tu veux te rapprocher d'Allah, tu fais ce qu'il t'ordonne. Tu veux te rapprocher encore plus d'Allah pour que Allah subhanahu wa ta'ala t'aime, eh bien tu fais les nawafil en surplus. Fa'idha ahbabtu. Donc, ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et lorsque j'ai aimé ce serviteur, parce qu'il a fait les obligations et il a fait les nawafil, alors je serai comme son oui, hein, par lequel il entend. Et je serai comme sa vue, par lequel il voit. Et je serai comme sa main, par laquelle il frappe. Et je serai comme sa jambe, par laquelle il marche. Et s'il me demande, je vais lui donner. Et s'il cherche refuge en moi, je vais le protéger. Je vais venir à son refuge et à sa protection, hein, quand il me demande refuge. Donc ça, c'est un hadith important, parmi les hadiths qui sont mentionnés dans les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Et si on réfléchit bien comme il faut à ce hadith-là, il nous explique qu'est-ce que c'est la définition du wali dans l'islam. Beaucoup de personnes ont des notions complètement erronées en ce qui concerne la signification d'un wali en islam. Surtout à cause de la croyance des soufis, des gens qui ont suivi la voie des gens qui ont innové dans la religion, hein, qu'on appelle at-tasawwuf, hein, ou as-soufis. Donc eux, pour eux, ils s'imaginent que le wali, c'est un être, hein, qui a des caractéristiques ou des attributs divins, qu'il connaît le ghaib, qu'il peut faire des miracles, hein, qu'il contrôle le temps ou qu'il contrôle le monde et les atomes dans l'univers, hein, comme certains parmi les soufis, elles croient qu'il y a ce qu'on appelle Rijalul Ghaib, hein, ils les appellent Rijalul Ghaib, et à la tête de ceux-là il y a celui qu'ils appellent Al-Qutb ou bien Al-Ghawth. Et il croit que c'est celui-là qui contrôle l'univers, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils ont dépassé les chrétiens, ils ont dépassé les chrétiens dans les croyances de shirk, il y en a qu'ils peuvent avoir. Et ça se retrouve dans les livres des soufis, ils écrivent ces choses-là et ils parlent de ces choses-là dans leurs livres. Donc dans l'islam, le wali c'est pas du tout ça. Hein? C'est pas une condition pour être un wali qu'on commence à faire des miracles, ou bien qu'on ait le contrôle de l'univers en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou qu'on soit capable de faire vivre les morts, ou de faire par exemple contrôler la pluie ou des choses de ce genre, contrairement à ce que prétendent les soufis. Un wali c'est tout simplement un bon musulman, un wali c'est tout simplement un bon croyant. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, certes, les rapprochés d'Allah, les awliya d'Allah, hein, ils n'auront aucune crainte et ils ne sont pas attristés. Ce sont ceux qui croient et qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quiconque possède la caractéristique d'avoir l'iman et d'avoir le taqwa, il est considéré comme un wali. Et bien entendu, les degrés entre les awliya, ça diffère d'une personne à une autre selon le degré de la foi. Hein. Il y a des gens qui sont rapprochés d'Allah plus, et il y a des gens qui sont rapprochés d'Allah moins. Hein. Et les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien entendu, c'est les awliya, c'est les anbiya, les prophètes et les messagers. Puis ensuite, les sahaba, hein, ridwanallahi alayhim. Et ensuite, le reste des mu'minis. Et c'est pas une condition non plus pour que quelqu'un soit un wali d'Allah, qu'il soit infaillible, qu'il soit protégé disons, exempt de toute forme de péché. Il y en a qui pensent que pour que quelqu'un soit un wali, il faut qu'il soit sans péché, hein, qu'il fasse aucun péché. Et ça, c'est pas une condition pour que quelqu'un soit un wali. Si cet individu-là commet un péché, hein, si cet individu-là commet un péché et qu'il s'est repenti à Allah subhanahu wa ta'ala, il reste un wali d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein. Et donc ça c'est très important de le comprendre, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont attribué à des hommes des caractéristiques et des qualités divines, et ça c'est arrivé à un tel point que
ils les prennent comme des associés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils les adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala par la suite. Et ils vont même après leur mort leur demander la subsistance, leur demander la guérison pour une maladie ou des choses de ce genre. Hein, ils vont à leur tombe et chaque année ils leur font comme une sorte de pèlerinage à cette tombe, à ces tombes-là, et ils font des toutes sortes de foires aussi qui sont associées à ces pèlerinages pour ces saints ou ces soi-disant awliya ou asiyad comme ils les appellent, et ça bien entendu c'est du shirk majeur. Hein. Donc il faut comprendre que la signification du wali en islam, ça n'a rien à voir avec cette notion-là qui existe chez les soufis. Quand quelqu'un devient un wali d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand quelqu'un devient un wali, eh ben comme Allah subhanahu wa ta'ala il le dit dans les paroles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce hadith Qudsi, il nous dit que la chose qui fait que quelqu'un se rapproche le plus d'Allah ou se rapproche à Allah par quelque chose qui fait partie de ce que Allah aime le plus, c'est d'accomplir les actes obligatoires. Hein? Donc premièrement, si quelqu'un n'accomplit pas les actes obligatoires dans l'islam, il ne peut pas être considéré comme quelqu'un qui est wali ou qui est rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est déjà en partant. Hein? Et ensuite, quelqu'un, s'il veut que Allah subhanahu wa ta'ala l'aime encore plus, eh bien il continue à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. En plus des obligations, il va faire les actes surérogatoires pour faire en sorte que Allah subhanahu wa ta'ala l'aime de plus en plus. Donc ça c'est des choses très importantes aussi à comprendre, et surtout par rapport, comme je disais tout à l'heure, à ceux qui ont mal compris la notion de soufis, du wali en islam chez les soufis. Et il y a une parole de l'imam Ahmad ibn Hanbal justement à ce sujet-là, et il dit justement une parole qui nous aide justement à comprendre la notion du wali en islam. Il dit فساق أهل السنة أولياء وزهاد أهل البدعة أعداء الله. فساق أهل السنة أولياء الله وزهاد أهل البدعة أعداء الله. Ça c'est une parole forte si on réfléchit à sa signification, et ça vient complètement détruire cette notion qui existe chez les soufis et aller par rapport à la notion de wali. Qu'est-ce qu'il dit l'imam Ahmad dans cette parole? Il dit que les pécheurs parmi les gens de Ahl Sunnah sont des awliya, sont des awliya d'Allah, c'est-à-dire sont des alliés d'Allah, des rapprochés d'Allah, et que les gens, les zuhad, c'est-à-dire ceux qui sont des adorateurs, les gens qui s'éloignent de la dunya parmi les gens de bid'ah, sont des ennemis d'Allah. Et quand quelqu'un entend ça et qui comprend pas réellement le manhaj ou la aqida des salafs, il peut trouver ça étrange d'entendre une parole pareille, parce que en apparence les gens disent bon, si quelqu'un il est pieux, il prie, il fait beaucoup d'ibada, il s'éloigne du haram, il s'éloigne de la dunya, en principe c'est supposé d'être quelqu'un qui est proche d'Allah. Mais l'important à comprendre c'est justement que la bid'a, les ulama ils ont expliqué que la bid'a est plus grave que le péché ordinaire que quelqu'un peut faire. Et Ayyub As-Sakhtiani, il disait, un des imams des salaf, il disait al bid'atu ahabu ila iblis min al ma'siyah li anna al ma'siyah yutabu minha amma al bid'a fala yutabu minha. Il dit l'imam As-Sakhtiani que le shaytan, Iblis, il préfère la bid'a au péché. Il préfère que quelqu'un tombe dans la bid'a que de le voir tomber dans le péché. Pourquoi? Parce que le péché, on peut s'en repentir, parce qu'on est conscient que qu'est-ce qu'on fait quand on fait un péché, c'est haram, c'est quelque chose de mauvais, c'est quelque chose qui nous éloigne d'Allah, c'est quelque chose que Allah déteste. Donc si on le fait, c'est haram. On sait qu'Allah aime pas, qu'est-ce qu'on fait, et on peut se repentir et demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour ce péché-là. Tandis que la bid'a, eh ben c'est plus dangereux, et c'est plus grave. Et l'Iblis, il préfère la bid'a. Pourquoi? Parce que c'est impossible presque de s'en repentir. Puisque la personne qui fait une bid'a,
dans son esprit, il s'imagine qu'il est en train de faire quelque chose que Allah aime. Et il s'imagine que qu'est-ce qu'il fait, c'est quelque chose qui le rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est très difficile de se repentir de quelque chose, ou c'est presque impossible de se repentir de quelque chose que Allah aime, si on s'imagine ou on pense que cette chose-là est aimée d'Allah. Hein? Et c'est ça le danger de la bid'a aussi. Hein? Quand quelqu'un, par exemple, il est en train de, par exemple, vous allez voir certains groupes parmi les gens de bid'a, comme les soufis, par exemple. Encore une fois, je donne l'exemple des soufis parce que leur voix est basée sur la bid'a. Eh bien, quand vous regardez, par exemple, qu'est-ce qu'ils font dans leurs zawaya et dans leurs mosquées, dans leurs centres, comme à Montréal, il y a un centre des turcs soufis, c'est que les turcs sont divisés en des dizaines et des centaines de différents turcs, hein, Naqshbandiya, Shaziliya, Boutchichiya, Saharwardiya, Tijaniya, et ila akhiriha, et allez, tu peux continuer comme ça pendant des heures, et on n'aura pas fini, mais il y en a une parmi les turcs à Montréal qui a son centre, et c'est la tariqa Naqshbandiya. Et eux, qu'est-ce qu'ils font dans leur mosquée? Eh bien, ils commencent à jouer du tambour, et puis ils tournent en rond sur place, hein, et puis, ou bien ils commencent à sauter, et ils s'imaginent que ça c'est une ibada. Et ils s'imaginent que ça c'est un dhikr. Et ils s'imaginent qu'en faisant ça, ils se rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils pensent qu'en faisant ça, hein, ils acquièrent l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu vas leur dire que ce qu'ils font est incorrect, ou contraire à l'islam, ou contraire au Coran et à la Sunna, ils vont se mettre en colère contre toi. Et ils vont s'imaginer que, en réalité, tu es un ennemi de l'islam, ou un ennemi de la Sunna selon eux. Et ils s'imaginent que ceux qui s'opposent à eux, ce sont ceux-là qui sont les ennemis de l'islam, ou les ennemis de la Sunna. Hein? Donc ces gens-là voient l'islam tout à l'envers, complètement à l'envers. Pour eux, la Sunna, c'est la bid'a, et pour eux, la bid'a, c'est la Sunna. Hein? Donc quelqu'un comme ça, est-ce que vous pensez qu'il va se repentir de ce qu'il fait? Impossible qu'il se repente, puisqu'il pense qu'il est en train de se rapprocher d'Allah. Et ça c'est un exemple, mais il y a beaucoup d'autres exemples comme ça aussi dans les groupes de bid'a. Et on a parlé des khawarij déjà, les groupes de parmi les khawarij qui par exemple déclarent kuffar les musulmans qui commettent des péchés. Et si quelqu'un commet un péché, un grand péché, il devient kafir automatiquement, il quitte l'islam. Et bien ces gens-là, à l'époque des sahaba, ils égorgeaient les sahaba, et ils tuaient les sahaba, et ils pensaient que en tuant les sahaba, ils se rapprochaient d'Allah. Hein? Celui qui a assassiné Ali ibn Abi Talib, hein? Il pensait qu'en le tuant, il allait aller au paradis. Hein? Donc ça c'est pour nous montrer à quel point la bid'a, elle peut nous aveugler et nous faire croire que le bien est mal et que le mal est bien. Hein? Des gens ignorants qui n'avaient pas appris l'islam avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ni avec les sahaba, et ils arrivent avec le Coran et ils pensent qu'ils comprennent mieux le Coran que les sahaba qui ont été avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam durant sa vie et qui ont appris avec lui la religion de l'islam. Donc ça c'est un exemple pour nous faire comprendre le danger de la bid'a. Que le shaytan, hein, il préfère faire tomber les gens dans la bid'a que de les faire tomber dans les péchés. Hein? Donc ça c'est un point important pour nous faire comprendre ça. Donc l'imam Ahmad ibn Hanbal, hein, rahimahullah, quand il dit que les fussaq parmi les gens de la sunna, hein, sont des awliya d'Allah, c'est dans ce sens-là. C'est que malgré qu'ils font des péchés, mais ils savent que ces péchés-là, ce qu'ils font c'est haram, et ils sont conscients de ça, et quand ils font le haram, ils ont le remords dans leur cœur, ils ont honte de ce haram qu'ils font, et ils pensent à la repentance et ils souhaitent se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala pour que Allah leur pardonne leurs péchés et efface leurs fautes. Ils ne sont pas fiers de leurs péchés, au contraire. Donc ça c'est, malgré le fait que ce sont des pécheurs, mais malgré tout ce sont toujours des gens qui restent sur la sunna. Ils n'ont pas quitté les limites de la sunna. Donc ce sont quand même des awliya d'Allah. Tandis que les gens bid'a, même si tu les vois, ils font la salat, ils font le hajj, ils font les actes d'apparence de l'islam, hein, mais étant donné qu'ils sont sous la bid'a, eh ben, ils s'imaginent se rapprocher d'Allah alors qu'ils sont en train
de faire des choses qui les éloignent d'Allah et qui attirent sur eux la colère d'Allah, et donc ils ne vont jamais s'en repentir. C'est comme s'ils sont en train de légiférer dans la religion d'Allah ce que Allah n'a pas permis. Hein, ils font du tashri' dans la religion d'Allah. Et le droit de faire le tashri' appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Personne n'a le droit de légiférer en matière de religion, hein, des actes d'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein. Donc ça, c'est des points très importants à comprendre. Et lorsqu'on a compris ce point-là, on ne va pas se laisser impressionner par l'adoration, hein, de celui qui est un adorateur, mais qui dépasse la limite de la sunna. Et pour vous donner une preuve encore plus claire de ça, il y a l'exemple de ce qui est arrivé à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec une des personnes qui avait l'habitude de boire beaucoup d'alcool à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les sahaba l'appelaient Chimar. Hein. Il venait toujours avec des cadeaux. Il donnait ça au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'aimait beaucoup. Hein. Et il faisait rire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cet homme-là, chaque fois, il buvait de l'alcool et il venait voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Des fois, il était ivre et les sahaba appliquaient sur lui la punition pour les personnes qui sont prises en état d'ivresse. C'est-à-dire, il le flagellait 40 coups, hein, 40 coups de fouet. Ça, c'est la peine pour celui qui est ivre. Eh ben, il le refaisait à chaque fois, et il le ramenait à chaque fois. Et une fois, justement, il est venu, il était ivre, les sahabes ont appliqué sur lui la peine à ce sujet-là, hein, ils l'ont puni. Et il y a un des sahabes qui était là qui a dit, « La'anahullah », hein, que Allah le maudisse. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « La tal'anhu, hein, fa innahu yuhibbu Allah wa rasulah ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne le maudis pas, parce qu'il aime Allah et son messager ». Donc ça c'est un exemple qui nous fait voir que cet individu-là, malgré ses péchés, mais quand même c'était un musulman, c'était un croyant. Hein, et on n'avait pas le droit de le maudire. Et un autre exemple de... C'est l'homme qui est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit. Hein, et les sahaba qui étaient là, ils l'ont décrit. Et c'était Dhul Khuwaysira. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de distribuer les butins, il y a un homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit « Oh Mohammed, i'adil, fa innaka lam ta'adil. » « Oh messager d'Allah. » Et il n'a même pas dit « Oh messager d'Allah. » Il a dit « Oh Mohammed. Hein, » comme ça, avec aucun respect, allez. « Oh Mohammed, sois juste, parce que tu n'as pas été juste. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Qui sera juste? Qui d'autre sera juste à part moi si moi je ne suis pas juste, hein, alors que je suis le messager d'Allah ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué aux sahaba que de cet homme-là, de sa descendance, il y aura des gens qui vont apparaître. Il dit « Si vous comparez leur lecture du Coran à votre lecture, vous allez mépriser votre lecture par rapport à la leur. Et si vous comparez leur prière à votre prière, vous allez mépriser votre prière par rapport à leur prière. Parce que c'est des gens qui sont extrémistes. C'est des gens qui étaient extrémistes dans la lecture du Coran, dans la prière, dans le jeûne, dans beaucoup d'autres formes d'adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à leur sujet, « يقرؤون القرآن لا تجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام أو يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ils récitent le Coran mais ça ne dépasse pas leur gorge. Hein, et ils sortent de la religion comme la flèche lorsqu'elle sort de l'arc. Hein. Et donc, ça c'est des hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné justement à propos de Dhul Khuwaysira et de ceux qui allaient le suivre, c'est-à-dire parmi les Khawarij. Et quand il l'a décrit, les sahaba l'ont décrit cet homme, et ils ont dit que c'était un homme qui avait une marque de prosternation, qui avait le crâne rasé, et qui avait une barbe très fournie. Donc c'est pour dire qu'en apparence, c'était quelqu'un qui avait une apparence religieuse, hein, sauf que c'était quelqu'un qui dépassait la limite du Coran et de la Sunna, et qui pensait qu'il était plus juste que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est l'exemple des Khawarij. Tandis qu'on voit l'exemple de l'autre individu, justement, qui avait l'habitude de boire de l'alcool et qui faisait des péchés, et à chaque fois on appliquait sur lui la peine, et malgré tout, le professeur Hassan nous a interdit de le maudire. C'est pour dire que le péché, hein, il est moins grave que la bid'ah.
Le péché, il est moins grave que la bid'a. Et ça, c'est très important de le comprendre. Et ça, c'est pas pour inciter les gens ou dire aux gens c'est correct de faire des péchés, bien au contraire. Mais c'est pour comprendre ou mettre en perspective les choses pour que les gens comprennent qu'une chose n'équivaut pas une autre. Hein? Quelqu'un, par exemple, il y en a des gens parfois, ils voient justement quelqu'un qui a une apparence très religieuse, qui est très pieuse en apparence, qui fait beaucoup de prières, beaucoup d'efforts dans la religion, sauf qu'il suit une voie de bid'a. Hein? Tandis que l'autre, par exemple, un autre individu qui est sur la sunna et qui pratique l'islam, mais qui a, par exemple, des manquements dans sa pratique, mais qui ne dépasse pas la sunna, qui reste toujours sur la sunna, celui-là, il est meilleur que celui qui peut être plus religieux en apparence, mais qui a des bid'a dans sa pratique, ou dans sa croyance, ou dans sa voie. Donc, ça c'est les exemples qui ont été donnés à ce sujet-là, qui sont importants pour nous faire comprendre ce sujet-là. Et ensuite, lorsque quelqu'un continue donc à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, quand il va écouter, il va écouter que ce qui est halal. Et quand il va regarder que ce qui est halal. Et quand il va utiliser sa main, il va l'utiliser que dans le halal. Et quand il va utiliser ses jambes, il va l'utiliser que dans le halal. Et c'est ce que ça signifie, ce hadith-là. Et c'est pas comme les soufis l'ont interprété. Hein, ils s'imaginent que l'homme devient un dieu. Hein, ils pensent qu'il devient divin. Hein, ils ont interprété ce hadith-là pour essayer de justifier leur croyance en Wahdatul Wujud ou en Hulul. Et les ulama d'Ahlus Sunna wal Jama'a ont réfuté, bien entendu, ces pensées-là ou ces idées-là. Et ils ont fait comprendre que ce hadith-là, ça veut dire au contraire que lorsque quelqu'un se rapproche d'Allah, eh bien, il va utiliser tous ses sens et tous les membres qu'Allah lui a donnés dans l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il va faire avec ce qu'Allah aime. Ensuite, le cheikh, il mentionne un autre hadith qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, selon al-Harith al-Ash'ari, radiyallahu anhu. Il dit, « Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam a qal, إن الله تبارك وتعالى أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها إنه كاد أن يبطئ بها فقال له عيسى إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم فقال يحيى أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد وقعدوا على الشرف فقال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فإن مثل من أشرك بالله شيئا كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق فقال هذا داري وهذا عملي فاعمل وأدي إلي فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك كلهم يعجبه ريحها وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه فقال أنا أفدي نفسي منكم بالقليل والكثير ففدى نفسه منهم وأمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين أحرز نفسه منهم وكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس آمركم بخمس الله أمرني بهن السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رقبة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع ومن دعا دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وإن صام فقال وإن صلى وإن صام فدعوا بدعوى الجاهلية فدعوا بدعوى الله التي سماكم المسلمين عباد الله. Donc le cheikh il mentionne un hadith qui est apporté par al-Tirmidhi selon al-Harith al-Ash'ari radiyallahu anhu. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné à Yahya ibn Zakariya de dire cinq paroles, de les appliquer lui-même et de les ordonner aux fils d'Israël de les appliquer. Et il avait pris son temps pour, avant de dire ces cinq paroles, il a pris son temps avant de les enseigner aux fils d'Israël. Alors Isa alayhi salam a dit à Yahya que Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné de dire cinq paroles aux fils d'Israël et de les appliquer. Si tu ne leur ordonnes pas de le faire, alors dans ce cas-là, moi je vais leur ordonner de le faire. Alors Yahya, Yahya alayhi salam, il a dit, je crains que si tu le fais avant moi, et si tu ordonnes aux fils d'Israël de faire ces choses-là avant que moi je leur ordonne, que je sois avalé par la terre ou bien que je sois puni. Alors il a réuni tous les gens dans Bayt al-Maqdis et la mosquée s'était remplie et il s'est assis et il leur a dit, Allah m'a ordonné de vous transmettre cinq paroles, de les appliquer sur moi-même et de vous ordonner de les appliquer également. Et la première de ces choses-là, c'est d'adorer Allah seul et de ne rien associer avec lui dans l'adoration. Ça c'est le tawhid, comme on l'a expliqué dans les exemples d'hier. Et il dit l'exemple de l'un d'entre eux, de quelqu'un qui commet le shirk et qui associe quelque chose avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, c'est comme l'exemple de quelqu'un parmi l'un d'entre nous qui achèterait un esclave. Et il l'achète avec son argent, soit avec de l'or ou autre, et il lui dit à cet esclave, voici ma maison, voici mon travail, alors tu vas faire le travail et tu me ramènes l'argent. Et lorsqu'il donne donc la responsabilité à cet esclave de faire ce travail pour lui, au lieu de ramener l'argent à son maître, il ramène l'argent à quelqu'un d'autre. Donc ça c'est l'exemple du shirk. Allah subhanahu wa ta'ala il nous a créés, il nous ordonne de l'adorer. Et au lieu d'adorer Allah, ils adorent d'autres que Allah et ils servent d'autres que Allah. Donc c'est la même chose que celui qui est par exemple qui a un esclave et il dit à son esclave de travailler pour lui, de faire un travail, au lieu de ramener l'argent à son maître, il amène l'argent à quelqu'un d'autre. Donc c'est exactement la même chose que celui qui commet le shirk. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné l'ouïe, la vue, le cœur, il lui a donné la subsistance, il lui donne la lumière, l'eau, le vent, l'air, le soleil. Il lui donne toutes les subsistances, toutes les bonnes choses dont il a besoin pour vivre dans sa vie. Et lui, au lieu de remercier son créateur, celui qui a donné tout ça, il remercie des créatures et il adore des créatures au lieu d'adorer Allah. Donc ça c'est l'exemple de ce shirk que ces gens-là sont en train de commettre. Et donc il a donné, Yahya ibn Zakariya a donné cet exemple, radiyallahu anhu. Alayhi salam, alors parce que c'est un prophète, radiyallahu anhu, c'est pour un sahabi. Donc, il dit, فَكَانَ يَعْمَلُ وَيُؤَدِّي إِلَى غَيْرِ سَيِّدِهِ فَأَيُّكُمْ يَرْضَى. Lequel d'entre vous serait satisfait d'avoir un esclave pareil? Donc, il dit, et Allah vous a ordonné la salat. Alors, si vous faites la salat, ne vous détournez pas. Ne vous détournez pas à gauche ou à droite. Parce que lorsque le serviteur prie, Allah subhanahu wa ta'ala, le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala est devant lui. Alors il ne doit pas tourner son visage ni à gauche ni à droite. Et il dit, je vous ordonne également le jeûne. Et il dit, le jeûne c'est comme l'exemple
d'un groupe de personnes ou d'une personne qui a un sac avec lui dans lequel il y a du misc. Et tout le monde qui est avec lui sont étonnés et ils trouvent que la senteur qui sort de ce sac, c'est une senteur qui est bonne. Hein? Et donc il dit que l'exemple du jeûneur, elle est comparable à l'exemple de cette odeur de misc, de cette odeur de parfum qui sent bon. Hein? Donc le jeûneur, c'est ça la comparaison que on fait à son sujet. Et il dit, je vous ordonne également la sadaqa. Je vous ordonne également de donner de vos biens. La zakat, hein, qu'est-ce qui est obligatoire, et aussi at-tabarru'at et les autres choses qu'on peut donner en dehors de ce qui est obligatoire dans l'islam comme bien qu'on doit donner en aumône ou en charité. Et il a comparé cette chose-là, c'est-à-dire la charité ou l'aumône ou la sadaqa ou la zakat qu'on donne, il a comparé ça à un homme qui a été fait prisonnier par ses ennemis. Et ils lui ont attaché les mains dans le cou, et puis il se prépare pour lui, pour l'exécuter. Et juste à ce moment-là, il dit, voici je vous donne une somme d'argent en échange pour ma libération. Donc il dit que l'exemple de la sadaqa, c'est comme si quelqu'un se libérait justement de cette manière-là avec l'argent qu'il a donné. D'accord? Donc ça c'est l'exemple de la sadaqa qu'on donne lorsqu'on donne fi sabilillah, soit dans la zakat qui est obligatoire ou bien dans les autres actes d'adoration qu'on fait en donnant des aumônes ou des charités ou des choses de ce genre. Et ensuite il donne un autre exemple, il dit, je vous ordonne de vous souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala et de mentionner Allah subhanahu wa ta'ala constamment. Et il a dit l'exemple de celui qui fait le zikr d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme quelqu'un qui est sorti, qui s'enfuit d'un ennemi qui le poursuit à toute vitesse. Et lorsqu'il s'enfuit, il arrive vers un endroit où il y a une forteresse, où il y a une muraille, et il rentre à l'intérieur de cette forteresse et il se cache derrière, il se cache à l'intérieur. Et donc ses ennemis ne peuvent plus l'atteindre. Et il dit que c'est ça l'exemple du croyant qui se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le shaytan n'a plus aucun pouvoir sur lui et ne peut plus rien faire parce que ce dhikr, il représente comme une sorte de forteresse ou une sorte de muraille, une sorte de muraille qui vient le protéger du shaytan. Donc c'est pour ça, ça nous montre l'importance du dhikr. Et le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à la fin de cette explication-là et de ce hadith par rapport à l'exemple de Yahya ibn Zakariya, il dit, et moi, je vous ordonne 5 choses également que Allah m'a ordonné pour vous, que Allah m'a ordonné. Et il a dit, as-sam'u wa ta'a, as-sam'u wa ta'a, c'est-à-dire d'écouter aux dirigeants, parmi les dirigeants musulmans, et de leur obéir dans le bien. Hein, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans plusieurs hadiths, innama ta'atu fil ma'ruf. Donc c'est-à-dire qu'on obéit aux dirigeants musulmans, et on écoute et on obéit dans le bien. Si le dirigeant nous ordonne de désobéir à Allah, alors dans ce cas-là on ne va pas l'obéir dans le haram, dans le péché on n'a pas le droit de l'obéir, mais on doit l'obéir dans tout le reste, dans tout ce qui est bon, dans tout ce qui est bénéfique. Et on ne doit pas dire, par exemple, comme certains parmi les gens aujourd'hui, que parce que le dirigeant fait des péchés ou parce que le dirigeant est injuste, on doit cesser de l'obéir et on ne doit plus reconnaître son autorité. Parce que ça, c'est la voie des Khawarij. Et c'est une voie qui est en opposition avec la voie d'Ahl-Sunnah wal-Jama'a. La voie d'Ahl-Sunnah wal-Jama'a, c'est d'écouter et d'obéir aux dirigeants dans le bien, même s'ils sont injustes. Même s'ils font de l'injustice, même si ce sont des dictateurs ou des despotes comme les gens les appellent aujourd'hui, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Fasma' wa ati' wa in daraba zahrak wa akhada malak, fasma' wa ati'. » Il a dit « Écoute et obéis, même s'il frappe ton dos, même s'il prend tes biens, écoute et obéis. » Hein? Et ça c'est l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça c'est les premières choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonnées. Et même dans le hadith de Al-Irbad ibn Sariya, qu'on mentionne dans Khutbatul Hajjah, au début de chaque conférence ou au début de chaque khutbah,
on dit, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, إنه وإن فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من أفنساء الدين يعني فعليكم فعليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد الدين alors je vous incite à écouter et à obéir à craindre Allah et à écouter et à obéir, même si celui qui est au-dessus de vous est un esclave. Même si celui qui est au-dessus de vous est un esclave. Donc ça veut dire que l'écoute et l'obéissance, ça fait partie des principes et des règles de l'islam, et ça fait partie des règles et des principes, en particulier des gens de la sunna, des gens de l'ahlu sunna wal jama'a. Et ça c'est quelque chose à notre époque que les gens ont oublié ou négligé. Pourquoi ? Parce qu'ils ont suivi les voies et les idéologies des koufars, les voies de la démocratie, les voies de la laïcité, les voies des autres voies de socialisme ou de communisme, qui appellent à la rébellion, qui appellent à la révolte, qui appellent à la révolution, comme d'autres, toutes sortes de révolutions, que ce soit bolchevique ou autre, ou la révolution française, ou d'autres genres de révolutions. Tout ça, c'est des choses qui sont contraires à l'islam. Mais il y a des musulmans aujourd'hui qui ont pris ces exemples-là comme des modèles et qui veulent appliquer ces modèles-là dans les pays musulmans et faire du désordre et de la corruption avec ces idéologies-là. L'islam ne nous enseigne pas la rébellion ou la révolte ou la révolution. L'islam nous enseigne la discipline, l'ordre et l'obéissance et l'écoute du dirigeant et le respect du dirigeant, même quand il est injuste ou quand il fait du mal. Sauf que dans le péché, on ne va pas l'obéir dans le péché, mais on va l'écouter et on va lui obéir dans tout ce qui est bon et dans tout ce qui est bien. Et tous ceux qui ont voulu contredire l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là, ils n'ont ramené à la Ummah que le sang, que le mal, que le désordre, que les calomnies, les calamités. C'est ça ce qui arrive maintenant dans la Ummah. On vit les conséquences de ces choses-là. L'écoulement de sang, et les innocents qui se font tuer, égorger, et après maintenant qu'est-ce qui se passe? Les koufars utilisent ces choses-là comme des arguments ou des prétextes pour critiquer l'islam et les musulmans, et pour dire que l'islam c'est une religion de barbares, ou que c'est une religion de gens qui ne pensent qu'à tuer ou à faire du terrorisme ou des choses de ce genre. Tout ça à cause de ces gens-là qui ont désobéi à l'ordre du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui ont suivi l'exemple des koufars et des mouchriquins dans leur façon de voir la politique ou les autres choses de ce genre. Donc l'islam ne l'appelle pas à ces choses-là. Et donc on doit rejeter ces idéologies-là et ces principes-là et retourner à l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc parmi les choses que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous ordonne 5 choses, d'écouter et d'obéir. Ensuite il dit, et le djihad, on en a parlé hier, et la hijra, on en a parlé hier, et la jama'a, c'est-à-dire de rester unis, autour du dirigeant et de ne pas se diviser. Et il y en a aujourd'hui qui essaient de croire ou de faire croire aux gens qu'on n'a pas à obéir ou à écouter aux dirigeants, excepté si c'est le khalifa qui dirige tous les musulmans en même temps, toute la ummah, et qu'il faut qu'il y ait un seul dirigeant pour tous les pays musulmans. Et ça, c'est une fausse compréhension. Parce que les ulama, ils ont expliqué que depuis l'époque de l'Abbasiyya, il n'y a jamais eu un seul dirigeant qui dirigeait toute la Ummah. Les pays se sont divisés en différents pays, et on doit obéir aux dirigeants qui dirigent ou qui règnent dans l'endroit là où on habite. Et à cet endroit-là, c'est lui qui est responsable des musulmans et c'est lui qui a les rôles du khalifa à respecter et à implémenter dans son pays. Et donc, les musulmans se réunissent autour de ce dirigeant-là, là où ils habitent, et ils écoutent à ses ordres et ils respectent leurs engagements et la bay'a qu'ils ont pour lui. Donc, ça c'est des principes qui font partie des principes de l'islam, et qui font partie des principes de la sunna. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque se sépare de la jama'a, même d'une petite distance, qayda shibrin, shibr c'est la longueur d'une main, la distance d'une main, si quelqu'un se sépare de la jama'a, même d'une petite distance,
alors c'est comme s'il avait enlevé de son cou le collier qui le rattachait à l'islam. Ça ne veut pas dire qu'il devient kafir, mais ça veut dire qu'il perd la protection qu'il avait en étant rattaché à la Ummah, en étant rattaché à la Jama'a des musulmans. Hein? Et les ulama ont expliqué que Ar-Riqba c'est quoi? C'est les colliers qu'on attache dans le cou des petits moutons. Hein? On les accroche par un collier, et puis on met une tige, puis on les attache par des cordes. Et chacun des petits sont accrochés par cette corde pour éviter qu'ils s'en aillent trop loin, et puis que par la suite ils se fassent attraper ou manger par un loup ou des choses de ce genre. Donc, celui qui reste avec la jama'a, il est protégé. Mais celui qui s'écarte de la jama'a et qui part tout seul, eh bien il se fait manger, il se fait attraper facilement par les gens de bid'a, par toutes sortes d'autres choses qui peuvent lui arriver. Hein? Et donc ça c'est l'importance de rester avec la jama'a et de ne pas se séparer ou se diviser. Et la jama'a c'est de suivre le haqq, c'est de suivre la vérité, de suivre la sunna, de suivre le Coran, hein, de suivre ce que suivaient les premiers musulmans, les premières générations de l'islam. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, « Khayrun nas qarni, summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum ». La meilleure génération, c'est ma génération, puis celle qui l'a suivie, puis celle qui la suit. Ensuite, il dit, « Et celui qui... » donc celui qui s'est séparé de la jama'a, c'est comme s'il a enlevé le collier qui le rattachait à l'islam, jusqu'à ce qu'il revienne. Et celui qui appelle par les appels de la jahiliya, alors il fait partie du combustible de l'enfer. Les appels de la jahiliya, c'est quoi? C'est des gens qui appellent à des groupes, des gens qui appellent à des partis, des gens qui appellent au nationalisme, ou au tribalisme, ou à d'autres notions qui sont contraires à l'islam, et qui appellent les gens à se réunir sur ces choses-là, au lieu de se réunir sur le Coran et la Sunna. Hein? Ils disent, on va se réunir sur nos préceptes à nous, sur nos idéologies contraires à l'islam. Ça c'est da'wa al-jahiliya. Les gens qui vont dire, nous on est, par exemple, de tel pays, on reste ensemble, peu importe les questions de religion. Hein? Donc on est tous, par exemple, de tel pays, on se réunit ensemble, toi t'es juif, toi t'es musulman, toi t'es communiste, toi t'es athée, c'est pas grave, on est tous du même pays, on s'aime, on se réunit, on travaille ensemble sur la base de cette association-là ou du fait qu'on est de la même origine. Hein? Et ça c'est da'wa al-jahiliya. Hein? Donc dans l'islam, on se réunit sur la foi, sur l'iman billah, et sur le tawhid, et sur la sunna, et on aime et on déteste les gens par rapport à cette foi-là, et par rapport à ces principes-là, qu'est-ce qu'on appelle al-wala wal-bara, hein, d'aimer pour Allah, et de détester pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pas parce que quelqu'un est de ton pays que tu vas l'aimer, hein, plus que quelqu'un qui est d'un autre pays, si cet individu-là, et il n'est pas mu'min, hein, ou si cet individu-là, par exemple, on voit des exemples comme ça des fois dans les magazines communautaires dans les pays comme au Canada, on trouve ça. Chaque communauté, parce que ici vous n'avez pas ça, mais au Canada, qu'est-ce qu'on appelle le multiculturalisme. Donc chaque groupe culturel se réunit ensemble et puis ils ont des petits journaux communautaires qu'ils publient chaque mois ou chaque semaine. Et puis, dans ces petits journaux-là, on voit qu'ils appellent les gens à se réunir selon leur origine. Hein, ils disent, bon, nous on est de tel pays, donc on doit être ensemble. Et ils disent qu'on soit juif, qu'on soit musulman, c'est pas grave. L'important, on est de ce pays-là, et on est ensemble. Hein. Et ils se désavouent ou ils laissent de côté les musulmans qui sont leurs frères en islam, ils les rejettent et ils les éloignent. Hein, parce que c'est pas des gens de leur pays. Ça c'est da'wa al-jahiliya, ça c'est pas la da'wa de l'islam. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui appelle à ces choses-là, il sera parmi les gens de l'enfer. Même s'il jeûne, même s'il prie. Et quelqu'un a posé la question au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a insisté justement, il a dit, même s'il jeûne, même s'il prie, il a insisté, il a dit oui, même s'il jeûne, même s'il prie, hein, appelez-vous par les noms que Allah vous a donnés, les noms par lesquels Allah vous a appelés.
Allah vous a appelé par le nom de muslimin, par les noms de mu'minin, serviteurs d'Allah, donc vous vous basez sur ces noms-là et vous ne vous basez pas sur des noms qui peuvent amener, par exemple, le tribalisme, le nationalisme ou d'autres formes de groupes ou de partisanisme. Hein. Et donc ça c'est très important et il faut bien comprendre ces choses-là. Et on peut faire rentrer aussi dans cette compréhension-là de qu'est-ce qui a rapport avec Da'wah al-Jahiliyyah, les groupes contemporains qui existent aujourd'hui, autour desquels certains musulmans se réunissent. Et malheureusement, ces groupes contemporains sont établis sur des fondements et des principes qui sont en contradiction avec les fondements et les principes de la Aqidah d'Ahl-Sunnah et les fondements et les principes des Salaf al-Salih. Donc vous allez voir par exemple qu'ils se réunissent ensemble, sauf qu'ils ont des contradictions dans les questions qui ont rapport avec le Tawhid. Ils ont des contradictions dans les choses qui ont rapport avec Al-Iman. Ils ont des contradictions dans les choses qui ont rapport avec Al-Qadar. Ils ont des contradictions dans les choses qui ont rapport avec Ta'at Wulat Al-Umur. Et qu'est-ce qui a rapport avec les dirigeants. Donc, ils ont des contradictions avec les gens d'Ahl Sunnah wal-Jama'a sur les fondements de la Aqidah. Et donc, ces gens-là, lorsqu'ils se réunissent sur ces principes-là et sur ces points-là, et en réalité, ils s'égarent du droit chemin. Ils se réunissent pas sur la vérité. Et si ces groupes-là sont connus comme étant des groupes qui se réunissent sur des fondements qui sont en contradiction avec les fondements d'Ahl Sunnah wal-Jama'a, c'est interdit à un musulman de se joindre à eux. Et c'est interdit à un musulman de collaborer avec eux et de participer avec eux dans ces activités-là. Le seul groupe qu'il est permis aux musulmans de travailler avec eux, hein, c'est le groupe qui se réunit sur les principes et les fondements de Ahl Sunnati wal Jama'a. Donc peu importe le nom que ce groupe peut se donner, hein, si tu remarques que lorsque tu regardes dans leurs enseignements, ils ne se concentrent pas sur la Aqidah, ils ne se concentrent pas sur le Tawhid, ils n'expliquent pas aux musulmans les fondements de la Aqidah d'Ahl Sunnati wal Jama'a, et ils ne réfutent pas les groupes et les sectes et les gens de Bid'a, alors vous pouvez savoir que ce groupe-là, il n'est pas en accord avec les principes qu'il faut respecter en tant que musulman. Peu importe qu'est-ce que ce groupe-là peut se donner comme nom. Hein. Et on peut donner par exemple des noms que sûrement vous connaissez tous par rapport à ces groupes contemporains, comme par exemple le groupe qui a été fondé par Hassan al-Banna en 1928 en Égypte. Hassan al-Banna qui était un soufi de la tariqa al-Hissafiyya, al-Shaziliya. Hein? Et bien cet individu-là, il a réuni des gens autour d'une idéologie politique. Hein? Et malheureusement, il n'avait pas une aqidah qui était en accord avec la aqidah d'Ahl-Sunnati wal-Jama'a. Et c'est pour ça qu'il a ramené beaucoup de contradictions. Beaucoup de contradictions. Par exemple, le fait qu'il était soufi. Hein? Et qu'il allait faire des pèlerinages aux tombes régulièrement, et qu'il célébrait le Mawlid al-Nabawi, et qu'il croyait en les croyances des soufis, le Hulul, hein, et beaucoup d'autres choses de ce genre. Il avait une bay'a à son cheikh, à un cheikh soufi. Hein. La bay'a c'est quoi? C'est le serment d'allégeance que quelqu'un donne à son cheikh d'une tariqa. Hein. Et ça c'est une bid'a aussi, puisque la bay'a dans l'islam, elle n'est valable et il n'est permis de la donner que aux dirigeants musulmans, aux dirigeants officiels, celui qui dirige l'État, qui est le chef de l'État. Et c'est pas permis de la donner à un autre. Hein. Donc ça c'est un exemple de bid'a qui est présent dans les enseignements de celui-là. De même que dans les croyances, dans ce qui a rapport avec l'asma wa sifat, hein, il fait partie de ceux qui nient la réalité des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faisait le tafwid, hein, dans les attributs d'Allah. Et donc, ça c'est une autre bid'a qui est en opposition avec la aqidah et avec le manhaj de Ahl Sunnati wal Jama'a. Donc c'est pour ça que vous allez voir que ces gens-là se concentrent sur des choses politiques, hein, tout ce qui a rapport avec l'économie, la politique, la justice sociale et des choses de ce genre. Ils occupent les musulmans par ces choses-là pour les éloigner des questions les plus fondamentales, c'est-à-dire les questions de croyance qui sont à la base de notre religion et qui font en réalité que justement c'est ça qui détermine qu'est-ce qui est l'islam et qu'est-ce qui est un musulman. Ils en parlent presque jamais, ils ne parlent que des autres choses qui sont secondaires,
hein, comme la politique, l'économie et les autres choses. Et ils adaptent leur da'wa au contexte, tout le temps. Donc ils veulent toujours faire plaisir aux gens et chercher à adapter leur discours pour se faire accepter des gens. Même si ce qu'ils disent est faux, même si ce qu'ils disent est contraire à la vérité, c'est pas grave pour eux. L'important c'est qu'ils rassemblent plus de monde avec eux. Et il y a beaucoup de choses à dire quand même à ce sujet-là. Mais parmi eux on retrouve des khawarij, des shias, des soufis, des modernistes, des rationalistes, des mu'tazilas, toutes les tendances, parce que pour eux c'est pas important, les questions d'aqida secondaire, hein. Et il y a d'autres groupes comme le groupe de Tablir, souvent vous avez entendu parler de ce groupe-là aussi. Et le fondateur de cette secte, de ce groupe, hein, qui a été fondé en 1928 par Mohamed Ilyas Al-Kandahlawi en Inde, hein, et bien lui-même, si on regarde aussi sa voie ou son historique, il fait partie des soufis aussi. Il est sur la voie des Jistiyya, une tariqa en Inde qui existe là-bas qui s'appelle Al-Jistiyya. Son groupe, il l'a établi sur une bay'a à quatre parmi les turuq soufiya qui sont connus dans cette région-là. C'est Al-Naqshbandiya, Al-Saharwardiya, Al-Shaziliya et Al-Jistiyya. Ça, c'est les quatre turuq sur lesquels il a donné son serment d'allégeance. Et il sort d'une école qui est très répandue en Inde qu'on appelle l'école des Diobandiya. Et c'est une école qui est remplie d'extrémistes et de croyances soufia, yani, qui rentrent dans les superstitions et les mensonges, yani, les khurafat, hein. Et ils adorent les tombes et les saints, et ça c'est bien connu, yani, dans cette école. Et non seulement ça, yani, lui-même, il s'est fait enterrer dans sa mosquée, et dans sa mosquée, dans leur centre, dans leur markaz, hein, il y a quatre tombes à l'intérieur de la mosquée, dont la sienne et celle de son fils et d'autres encore dont je ne me souviens plus l'origine ou qui ils sont, mais c'est pas grave, c'est juste le principe de savoir que comment quelqu'un peut se faire enterrer dans la mosquée, hein, alors que ça a été interdit par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths authentiques. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit la'natullahi ala al-yahoud wa al-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid, que la malédiction soit sur les juifs et les chrétiens, ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme des lieux de prière, hein, comme des lieux d'adoration. Et donc ça c'est un hadith parmi les hadiths qui prouve l'interdiction de ce genre de choses. Non seulement ça, ils font partie des gens qui suivent la aqida des Maturidiyya, hein. Et les Maturidiyya c'est une aqida qui est proche de celle des Asha'ira ou Al-Ash'ariya, qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont des problèmes dans le tawhid et dans Al-Asma wa Sifat, qui déforme la réalité des noms et des attributs d'Allah. Hein? Et dans le qadar, ils ont des erreurs aussi. Donc, pour eux, le tawhid, c'est quoi? Les tablir et les autres aussi, ça se limite juste à croire en ar-rububiyya. De dire, par exemple, que Allah, c'est le créateur, le pourvoyeur de subsistance, celui qui crée, qui fait vivre et qui fait mourir, celui qui contrôle tout dans l'univers. Et lorsqu'ils font leur bayan et qu'ils se lèvent pour parler aux musulmans, ils ne se concentrent que sur ça, comme si on avait un doute sur l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala ou sur la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même les Quraysh, même les mushrikins de Quraysh à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah il dit à leur sujet « وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَكُولُنَّ اللَّهِ » وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَكُولُنَّ اللَّهِ » Donc les mushrikins à l'époque, si on leur demandait qui a créé les cieux et la terre, ils disent Allah. Donc ils savent, ils connaissent ar-rububiyya déjà. On n'a pas besoin de les convaincre à ce sujet-là. Mais le problème, c'est que malgré qu'ils disent que Allah c'est le créateur, ils font du shirk dans l'adoration. Ils font du shirk dans beaucoup d'autres choses aussi. Ils portent des porte-bonheur, des gris-gris, des choses pour les protéger contre le mauvais œil qu'ils portent sur eux comme ça, hein, des amulettes avec des fois du shirk dedans, hein, qu'est-ce qu'ils appellent du hijab ou des choses comme ça. Leur shirk, il leur écrit un carré comme ça avec des chiffres, hein, et il met ça dans une petite pochette en cuir, il l'attache sur son bras et il pense que ça va le protéger. Lorsque tu l'ouvres à l'intérieur, qu'est-ce que tu trouves? Tu ne trouves pas, hein, des choses compréhensibles. Tu trouves des chiffres, tu trouves des fois des choses, yani haram même des fois.
Et ça, c'est, ça rentre dans le shirk aussi. Le shirk, c'est très vaste. Et donc, c'est important de bien étudier le tawhid. Le tawhid, c'est une des sciences, c'est la base de la religion musulmane. Et tu peux pas juste l'étudier ou l'apprendre dans une conférence de une heure. Ça, c'est un sujet qui demande une étude approfondie, une lecture et l'écoute des ulama et des durus. Tu peux pas juste dire, bon, ça y est, j'ai appris le tawhid en 5 ou 10 minutes. Donc, c'est pour cette raison-là que moi, je vous encourage à essayer de vous procurer les livres des ulama de l'islam qui enseignent ce sujet-là, c'est-à-dire le tawhid, et qui vous clarifient toutes les différentes catégories de shirk, et qui vous met en garde contre ces différentes catégories de shirk, et qui vous explique la réalité du tawhid pour que vous puissiez vous protéger contre le danger du shirk. Parce qu'il n'y a pas de péché plus grand que le shirk. Il n'y a pas de péché plus grand que le shirk. Et si vous allez avec ces groupes-là qui existent actuellement dans le monde musulman, qui sont en opposition avec la aqidah et le manhaj et la voie des salaf al-salih, vous n'allez jamais apprendre la réalité du tawhid. Parce que ces gens-là, ils n'en parlent jamais. Et même s'ils voudraient en parler, ils n'en parlent pas correctement puisqu'ils ne le connaissent pas eux-mêmes. Leur tawhid, il n'est pas le même tawhid que le tawhid du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et celui des sahaba. Leur tawhid, il est basé sur les enseignements d'Aristote et de Platon. Ça n'a rien à voir avec l'islam, qu'est-ce qu'ils enseignent comme tawhid. Mais beaucoup de gens, hein, ils ne savent pas ces choses-là parce qu'ils n'ont pas étudié, ils n'ont pas cherché l'ilm, ils n'ont pas cherché à comprendre. Et donc c'est pour ça que c'est important de donner et aller du temps à comprendre et à étudier la religion pour vraiment être en train de pratiquer cet islam avec compréhension et connaissance. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah, en espérant que ça a été assez clair. Inshallah, on va continuer demain. Puis yani, on espère que vous avez profité jusqu'à maintenant, puis que vous allez encore profiter encore plus dans les cours qui vont suivre, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته